Bonjour, merci de m'accueillir et au nom de mes co-auteurs, je vous remercie de l'attention que vous portez à nos travaux. Donc, je suis Jean Debert, je suis maître de conférence habilité à des recherches à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne et mes co-auteurs sont Céline Aymon de l'Université de Marne-la-Vallée, le professeur Yannick Lorty de l'Université de Marne-la-Vallée et Laetitia Tufféry qui est actuellement à l'Université d'Évry aussi. Voilà, nous avons réalisé un rapport il y a 2010-2011 commandé par Nature Parif, qui est un établissement public dépendant de la région Île-de-France. Et leur souhait était de comprendre, de connaître quels étaient les emplois qui étaient susceptibles de favoriser la biodiversité, voilà, de protéger et de développer des mesures de protection de la biodiversité. Et nous avons répondu à cette étude-là. Et depuis lors, nous avons publié un article qui va paraître dans Économie et Prévision et un article théorique aussi qui est le prolongement de ce modèle-là. Voilà, je vais vous faire une synthèse un peu de notre rapport que vous avez peut-être consulté. Et bien entendu, je ne rentrerai pas dans le détail, m'attendant bien sûr à des questions dans la partie de l'exposé qui suivra. Voilà, alors l'objectif, c'était donc d'abord de recenser les emplois favorables à la biodiversité. On verra ce que sont ces emplois-là et voir quels sont leurs... pardon. Quel est l'impact que le développement de ces emplois peut avoir sur l'ensemble de l'économie. Bien sûr, nous sommes cantonnés ici à l'Île-de-France, hein, puisque l'étude était commandée par le Nature Parif. Et ensuite, c'était comprendre un modèle de manière à simuler des mesures de politique publique pour développer ce type d'emploi favorable à la biodiversité. Cette étude a duré pratiquement 2 ans et nous avons travaillé 2 ans ensuite sur les papiers qui ont suivi. Alors, nous avons défini ce que sont les bio-emplois. Ce sont des emplois qui sont ceux dont l'activité ou une part de l'activité contribue à la connaissance, la gestion, la protection, la valorisation et la restauration de la biodiversité. Bien entendu, on peut intégrer des emplois liés à la communication en faveur de la biodiversité et au financement de projets. Donc ça relève des activités financières qui pourraient protéger de la biodiversité, bien sûr dans le cadre de l'Île-de-France. Il est évident que si on développe ces emplois, ces activités-là, on va avoir on va mesurer des conséquences sur des emplois induits en amont, sur la fourniture de consommation intermédiaire favorable à ces emplois-là. Alors, voilà, donc c'est ce que nous avons voulu traduire dans cette étude-là. Je continue. Donc, on a calculé des biocoefficients, c'est-à-dire la part de temps de travail consacré favorablement à la biodiversité sur l'ensemble du temps de travail pour une activité spécifique. Donc, par exemple, si vous travaillez 20% dans un secteur, je ne sais pas, je pense aux carriers, hein, de l'extraction de granulats, eh bien, si on travaille 20% sur la restauration des conditions du développement de la biodiversité, eh bien, on représente un cinquième d'emplois favorables à la biodiversité. Si on est 5 à faire ça, eh bien, on sera en face d'une situation où il y a un emploi favorable à la biodiversité. Donc, on a travaillé en termes d'effectifs occupés, qui est le critère majoritaire. Plus de 50% de notre temps de travail est consacré à la protection de la biodiversité, ou un équivalent temps plein, c'est ce que je vous disais. On est 5 à consacrer 20% de son temps de travail à la protection de la biodiversité, donc c'est un équivalent temps plein. Voilà. Nous avons une démarche de monographie, hein, donc nous sommes allés sur le terrain, on a rencontré 122 personnes représentant les branches susceptibles de protéger la biodiversité, et à partir de là, nous avons construit un tableau entrée-sortie régional. On a construit donc un tableau entrée-sortie au niveau de la région Île-de-France, sachant qu'il n'existe pas, et il existe au niveau national. Et on l'a, je reviendrai dessus, on a simulé un TES, on a construit un TES, merci, au niveau de la région Île-de-France, ce qui est une valeur ajoutée pour nous. Bien. Donc on est parti d'une démarche de terrain et voilà, on a rencontré des experts aussi du Muséum d'Histoire Naturelle, entre autres, du ministère de l'Environnement, d'associations et de secteurs professionnels susceptibles de protéger la biodiversité. Alors,
on vous présente tout de suite les résultats. Enfin, je vous présente tout de suite les résultats. Les bio-emplois, ce sont des emplois donc favorables à la biodiversité. On reviendra sur cette définition-là. Il y en a à peu près 5 000 en Île-de-France. Et leur existence génère une activité qui va concerner 2355 emplois. Donc on a à peu près 7455 emplois à plein temps consacrés à la biodiversité et en équivalent temps plein 9300. Bref, on a à peu près un emploi sur 1000 en Île-de-France favorable à la biodiversité. C'est beaucoup et c'est peu. Voilà, donc ça dépend comment on apprécie cette statistique. Et il faut savoir que lorsque l'on mobilise ces bio-emplois, lorsqu'on mobilise l'activité de 2 bio-emplois, cela a un impact sur un emploi, bio ou pas, au niveau de la France. Voilà. Alors, on verra quelles sont les caractéristiques de ces secteurs dans les questions qui suivront. Il faut savoir que 75% de ces bio-emplois sont issus du secteur associatif et du secteur public. On a aussi des secteurs, bien sûr, où il y a une forte interaction avec les ressources naturelles. On pense, bien sûr, à l'agriculture, la sylviculture et les carriers. Hein, donc, ils vont extraire du granulat dans la vallée de la Seine. On a des emplois induits. Alors, bien sûr, les emplois induits sont liés aux achats de biens et de services que ces activités-là vont mobiliser. Donc là, bien entendu, on a une dispersion hein, de ce tissu productif à travers l'ensemble des branches concernées. Et notamment, on a surtout des emplois liés à des services aux entreprises. Alors, on a construit un simulateur prospectif intersectoriel et dynamique pour l'emploi régional, hein, qu'on a modestement appelé SPIDER. Et on essaye de voir, lorsque on veut mobiliser ces emplois à travers un choc de demande, par exemple, on va essayer de voir quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur les emplois, les bio-emplois d'une part, mais aussi les bio-emplois induits. Et bien sûr, sur l'ensemble des emplois au niveau national. Alors, on a réalisé des simulations au niveau de l'Île-de-France, d'accord. On a transformé le tableau entrée-sortie nationale, on l'a transformé au niveau de la région Île-de-France, et on a créé des chocs, et on essaie de mesurer l'impact des chocs réalisés au niveau de la région Île-de-France, et on mesure l'ensemble des chocs au niveau de l'économie française. Et on a pris un tissu de nomenclature le plus fin que l'INSEE peut nous fournir. C'est un secteur, comment dirais-je, une matrice avec 114 branches. On appelle ici secteur, mais on devrait l'appeler branche d'activité. Voilà. C'est le niveau le plus fin que la comptabilité nationale peut nous fournir. Et ensuite, on a créé des chocs sur un an et on a mesuré l'impact que ce choc peut avoir. Par exemple, si on passe des commandes à des secteurs favorables à la biodiversité, on mesure cet impact sur un horizon de 10 ans. Voilà. C'est comme ça que nous avons procédé. Alors, on a deux grands types de politiques publiques. Soit les collectivités publiques, État, collectivités territoriales, par ailleurs, passent des commandes. Donc c'est un choc de demande. Au lieu de commander, des biens alimentaires à un secteur agricole qui aurait moins d'impact favorable sur la biodiversité, on va passer des commandes à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, par exemple, hein, ou on va passer des commandes à des entreprises de travaux publics qui prennent certaines précautions sur l'aménagement urbain ou sur la couverture des toits, etc. Bien. Donc ça, c'est des chocs de demande. Ensuite, on a une politique d'offre. Alors, cette politique d'offre, on peut l'apprécier de diverses manières. Ça peut être des politiques de formation du personnel
industriel qui va essayer d'avoir des pratiques respectueuses de l'environnement, de la biodiversité plus particulièrement. Ça peut être aussi une exonération de cotisations sociales sur certains types d'emplois. Donc on a une politique de demande et une politique d'offre qui peut être appliquée. Bien entendu, on peut combiner les deux politiques. Alors, il est évident, enfin, il n'est pas du tout évident d'ailleurs, qu'un choc d'offre va être, comment dirais-je, plus efficace si on le répartit sur un grand nombre de secteurs. Alors, quand je dis un grand nombre de secteurs, sachez que notre étude montre que sur les 114 branches de la comptabilité nationale, il n'y en a que 16 qui seraient susceptibles d'avoir un impact favorable à la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont aujourd'hui, mais ils pourraient l'avoir, d'accord ? Mais ils l'ont à l'heure où nous parlons. Et 16 sur 114. Donc, on va pratiquer un choc d'offres le plus élargi sur ces 16 branches, sur les 114, en fait. Voilà. Donc, on va essayer de pratiquer une politique d'exonération ou des politiques de formation sur ces 16 branches. Voilà. Et par contre, le choc de demande, on a mesuré à travers un modèle économique, on a mesuré l'effet et on se rend compte qu'il est beaucoup plus, il est très coûteux. Et en fait, si on veut le mettre en activité, il va falloir cibler, par contre, le choc de demande sur un ou deux ou trois branches dans un premier temps et pas sur les 16 branches qu'on en a recensées. Voilà, donc c'est un peu la question que nous nous sommes posées en termes de politique publique. Bien sûr, on peut combiner les deux. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est bioemploi représente un emploi sur 1000 en Île-de-France. Ce recensement que nous avons établi au niveau de l'Île-de-France semble cohérent par rapport à des études qui ont été menées au niveau national. Donc, on n'est pas du tout en dehors des clous. Et nous montrons dans notre rapport que la politique la plus efficace combine un choc d'offres peu ciblé, d'accord, donc, et un choc de demande assez ciblé. Donc, un choc d'offres, je vous le reprends, c'est une politique globale de formation ou d'exonération de charges sociales sur des emplois favorables à la biodiversité, sur un grand nombre de branches. Ici, ce serait les 16 branches. Par contre, les chocs de demande, c'est-à-dire les commandes publiques, ça peut être l'État, la région, les collectivités territoriales dans leur ensemble, eh bien là, elles doivent être ciblées sur un petit nombre de secteurs. Bien entendu, nous avons poursuivi le rapport dans un article qui va être publié dans Économie et Prévisions 2016. Et nous avons aussi un article encore plus théorique qui risque d'être... Enfin, risque, non. On aimerait bien qu'il soit publié. Et nous avons, à travers un modèle théorique, essayé de poser une question de politique publique. D'abord, quel est le niveau de dépenses budgétaires qu'il faut consacrer aux emplois favorables à la biodiversité? Ce niveau de dépenses budgétaires, on l'appelle G comme gouvernement en économie. Donc, il doit bien sûr, ce niveau de dépenses est de plus en plus élevé lorsque les biocoefficients sont le plus élevés dans une branche. Un biocoefficient, c'est la part du temps de travail dans une branche qui est consacrée à la protection de la biodiversité. Donc, plus ce biocoefficient est élevé, plus la dépense publique doit être élevée. Ensuite, il faut que la demande privée à la branche soit relativement faible. Alors, ça, c'est un débat que nous avons entre nous, savoir qu'est-ce que ça veut dire relativement faible. Et il faut bien sûr que les salaires soient relativement faibles par rapport à la moyenne nationale. Donc, nous pensons bien sûr à toutes les activités où il y a des salariés, donc dans l'activité associative, dans certaines activités de l'agriculture. Donc là, les dépenses publiques, le budget consacré doit être élevé. Premièrement, donc on a ce critère de niveau de budget. Et ensuite, lorsqu'on a un budget qui est défini, est-ce qu'on va travailler sur un allègement des cotisations sociales, par exemple, on l'appelle XI, et là, on se rend compte que il faut que le niveau de salaire soit
relativement faible et que la demande privée adressée à cette branche soit relativement faible. Alors pourquoi le salaire doit être faible ? C'est un effet de masse, bien entendu. Hein, cette mesure sera beaucoup plus efficace là où le coût associé à cette mesure sera la plus faible. Et par contre, la commande publique, YI, doit être orientée vers des branches où le salaire peut être élevé et donc on se consacrera uniquement à la commande publique. Bien sûr, on pense à tous les cabinets d'études, des travaux d'architecture, d'aménagement et de recherche-développement. Voilà, donc ça c'est un papier, donc on attend le feu vert pour savoir s'il sera publié ou pas. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ce rapport, on est parti d'une monographie, un travail de terrain. On est parti sur le rapport ensuite demandé par Nature Parif. Ensuite, on a un article appliqué à l'Île-de-France dans Économie et Prévision. Et là, on a un article théorique qui ne demande qu'à être publié à l'heure où je vous parle. Voilà. Donc, actuellement, on réfléchit à la... Quel doit être le niveau de la contrainte budgétaire ? Alors, on travaille sur la région Île-de-France, mais ça peut être appliqué à la région, ça peut être appliqué à l'Union européenne, à la France, bien entendu. Et on se demande quel doit être le niveau exact de ciblage du budget alloué à ces emplois favorables à la biodiversité. Quels sont les secteurs qui sont concernés ? Et bien sûr, l'équilibre qui doit être établi entre une politique d'offre et une politique de demande. Voilà, ça, on ne l'a pas ciblé, pas faute de données, mais parce qu'il faut du temps. Et voilà, donc ce chiffrage, cela va nous permettre d'arriver à un chiffrage du coût total de cette stratégie. Merci de votre attention.